Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter comment j'ai modifié une Razor E300. Donc j'ai fait quand même pas mal de modifications parce que je l'ai récupérée à la déchetterie dans un état déplorable. Donc au départ en fait j'ai juste eu la carcasse et le guidon, le guidon n'est même pas d'origine. Donc cette trottinette elle avait des gros pneus, ce qui est déjà bien mieux que l'ancienne trottinette que j'avais fabriquée car c'était des roues en dur. Et donc c'était pas du tout agréable pour rouler. Là avec des pneus déjà c'est beaucoup mieux, ça amortit les chocs. De plus le frein arrière il a lâché, donc j'ai dû mettre un frein à disque. Donc j'ai dû pas mal y modifier pour pouvoir réussir à l'installer. Maintenant parlons caractéristiques. Donc la trottinette est équipée d'un moteur 350 watts avec un plateau de 55 dents, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de 25 km/h très facilement. On peut très bien porter deux personnes à la fois sur la trottinette comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc le moteur il peut fonctionner aussi jusqu'à 700 watts, je l'utilise jusqu'à 700 watts sans qu'il chauffe trop. Pour le moment je n'ai pas du tout eu de problème et elle a déjà roulé plus de 700 km. Du côté de la batterie, on a 3 LiPo 6S de 8 Ah en parallèle, ce qui permet d'avoir au total 24 Ah. Le tout est contrôlé par un BMS lors de la charge et qui permet de couper en cas de court-circuit. Avec ces batteries, on atteint largement les 40 km d'autonomie. Dans la trottinette, il reste le contrôleur 24V 500 watts ainsi que le module qui permet l'affichage du niveau de batterie. Le tout est rechargé par un chargeur 25V 2, 2A. Donc voilà ce que ça donne quand tout est à l'intérieur, il n'y a vraiment plus d'espace disponible. On peut voir en haut l'afficheur de niveau de batterie que j'ai récupéré sur l'ancienne trottinette. Et sur le guidon, on a notre interrupteur à clé et la poignée de gaz. Pour le moment, l'arrière n'est pas encore monté. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine.